Hello tout le monde! Comment ça va? Une nouvelle vidéo. Donc, on va décider de faire à l'improviste un petit quiz, tous les deux. Voilà. Comme ça serait bien. Bon, mon chéri se réveille, donc faites pas attention. Moi, je suis encore à pyjama, à la babacou aujourd'hui. Alors, vas-y, tu commences? Ouais. Allez, c'est parti. Quel est le cadeau le plus mémorable que je t'ai offert et pourquoi l'as-tu aimé? Donc, toi, tu réponds à moi. Et moi, j'ai rapport à toi. Ouais. Vas-y. À toi, vas-y. Alors, moi, ce que je t'ai fait de mémorable... Bah, accepter ton cadeau. À Paris. Donc, tu réponds pour moi en même temps, là. Tu réponds pour nous deux. Moi, je pense que c'est ça que je... Pour toi, c'est ça. Que j'ai accepté ton cadeau. Et toi? Bah, c'est le voyage à Paris. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai bon? Ouais. Moi aussi j'ai bon. Ouais. Ouais. Donc, quelle est ma série préférée du moment et quel personnage je trouve le plus attachant? Moi je dis Catu et Sera. Hein? Catu et Sera pour toi. Ah oui, parce qu'en ce moment on est dedans. Ouais. Et mon personnage préféré? Jeune femme aux yeux clairs. Elisa? Ouais. Non. Oh, c'est qui? Marie Fer. C'est laquelle? Avec les cheveux bouclés? Ouais, qui a cramé. Oh, ouais. Et toi, ta série préférée, bah, c'est Mercredi. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'est gothique. Évidemment. Voilà. Quel est mon plat préféré que je commande toujours au restaurant? Toi, c'est le cheeseburger. Ouais. Welsh. Bah carrément. Ah oui, dis aux abonnés c'est quoi du Welsh. Ben hein, du Welsh c'est du pain de campagne trempé avec de la bière et de la moutarde, une tranche de jambon et du cheddar fondu. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Avec des frites, beaucoup de frites. Quel est mon plus grand rêve que je t'ai déjà confié? Déjà. Ça arrive. Mon plus grand rêve, ton plus grand rêve, dis-moi. Aller en Irlande. Je pense. Ouais, c'est bien l'Irlande. Et toi vers moi? Alors là, tu m'en dis tellement que je ne sais pas. Dis-moi, vas-y. Bah, elle veut avoir un enfant, bon, ça c'est mort. Je pense que mon plus grand rêve serait de travailler dans le paranormal. Mmh. Ouais. Avoir mon cabinet, faire de la médiumnité avec mes petits clients, mes petites clientes et gagner ma vie, tout simplement. Travailler mon boulot. Ouais. Quelle petite manie ai-je quand je suis concentrée? C'est ça! Par cœur. Ça me fatigue. Et ça fait avoir dans le 2 août, ça fera déjà un an. Donc je te dis par cœur. Mmh. Toi, c'est tes petits bruits que tu fais. Oh, t'as vu, j'avais raison. Ah, c'est le cri de joue. Non. Que s'est-il passé lors de notre première rencontre? Bah, on était boire un café au McDo, on a sympathisé, on a fait connaissance vers 11h un mercredi. Et puis bah, après, bah, vu qu'il faisait très très froid, bah, je suis rentrée chez moi, je me suis mis à l'aise, j'ai mis mon peignoir, ma robe, tout ça. Puis on a discuté, on a pris un café tout simplement. Voilà. Et toi, t'en penses quoi? C'est exactement ça parce qu'on était à deux ce jour-là. Donc... Et t'es un petit peu timide, hein, monsieur? Jamais. Oh. Il n'y a pas beaucoup se mettre en couple avec moi. Et j'ai moi, faut pas se prendre la tête, hein, on n'a qu'une vie. Puis, bah, tu pourras bien y accepter. Est-ce que pas mon charme? Qu'est-ce qui te touche le plus chez moi? Que tu prends soin de moi, que tu me protèges. Mon amour. Et toi? Tu me fais des papouilles quand je dors. Ah
Et la dernière question. Déjà fini. Quels sont nos projets communs pour les prochaines années? Bah, aménager la maison parce que pour l'instant elle est encore en travaux. Avoir un chien, un chat, des poules, refaire le jardin, enfin il y a beaucoup de trucs à faire quoi. Donc ces gros travaux et puis voilà, des animaux, j'aimerais bien. Quick, quick. Ah oui, une petite poule fric, un petit poussin qui va devenir grand. Comme ça, je lui mettrai un collier avec des pics et j'apprendrai. Tout en programme. Enfin, un autre? Bah, on sait jamais. Bon, mais c'est dur pour 5 minutes. On en refera plus tard, dans la semaine. Bah, tant qu'on est dans. Non, il faut seulement trouver. Attends, bouge pas. On va trouver ça, t'inquiète pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne bon matin. On va revenir. Alors, qui est en couple? Oui. T'as dormi mon cœur. Pas beaucoup, mais là. Après ça, je ne veux plus rien. Ah, voilà. 25 questions, c'est très bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, si tu pouvais partager un repas avec n'importe qui choisirais-tu? Moi avec n'importe qui. Le capitaine Jack Sparrow. Pour son côté déjanté, j'adore. Ah ouais, trop bien. Moi, qui choisirais-tu? Je pense que je me choisirais moi enfant et que je lui dirais plein de bons conseils pour l'avenir avec qui je suis maintenant en tant qu'adulte. Aimerais-tu être célèbre? Quel serait ton talent? Non, j'aimerais pas être célèbre. Bah moi, je suis quelqu'un de très 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 simple, à la fois extraverti. Donc j'aime bien qu'on me qu'on se focalise sur moi. Et moi j'aime bien donner la bonne vibration. J'ai l'art de la comédie qui vient naturellement. Donc c'est là oui j'aimerais bien, pourquoi pas. À quoi ressemblerais-tu ta journée parfaite? Petit déjeuner, pêche, apéro, sieste. Ma journée parfaite. Elle la meuse. Ça, c'est pas compliqué. Bah écoute. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans, donc 90 pour les Belges, c'est les Belges, choisirais-tu garder l'esprit ou un corps de trentenaire? Oh. Je dirais l'esprit parce que sinon ça ne sert à rien. Ouais, j'avoue que si tu n'as pas toute ta tête, tu pars pas la tête Juliette ou Martin. Donc moi aussi je saisirai l'esprit. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissant dans la vie? Je sais pas, ma bonne santé, c'est bien. Pareil. J'irai en plus. Je suis reconnaissante, c'est l'amitié, l'amour, la santé. Ouais. Si tu pouvais te réveiller un matin en ayant gagné une qualité ou un talent, qu'est-ce que ça serait? Une qualité ou un talent? Oh, difficile comme question tout ça. C'est ça. Et toi? Bon, je sais pas trop, il y a un petit peu de tout qui vient en tête là. Bon, je pense que le plus
Une qualité. Bah, accord avec pour avoir enfanté. C'est bon. Ouais. Voilà, simplement. Sans problème de santé, ça m'arrangerait. Que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Si une boule de cristal pouvait te révéler une vérité que vous n'avez pu savoir. Oula. Une vérité. Ouais. Ok, mais mets-toi bien dans l'angle. Non mais je réfléchis là. Ah. Une vérité. Mmh. Oula. Je sais rien parce que des fois les vérités elles sont pas bonnes à les découvrir. Non, tu le dis-tu. Non, je sais pas. Mais toi? Je pense que je ferai ma propre expérience au lieu de savoir la vérité. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Partir à la Réunion. Quatre fois je. Quelle est la plus grande réussite de ta vie? La maison. Ouais, c'est pareil. Emménager avec mon copain. Quel est ton plus beau souvenir? Oh, j'en ai plein. Je saurais pas en choisir un seul en fait. Ben, là qui me vient en tête. Enfant, adulte, ado. Franchement, je sais pas. Mais toi? Plus grande réussite d'avoir fait la CIV. Ça m'a changé ma vie. Alors, les questions autour du couple. Alors, quels sont nos points communs selon toi? On a plein. Ah ouais, je t'ai marché. Déjà la musique, les jeux, tout ça. Nos petits délires. Ah ouais. On se comprend, on se Ouais. complète. Quelle est la chose que tu aimes le plus chez moi? Ta joie de vivre. Oh, qu'il dit-il? Et toi, t'as pas répondu. Ah, quel est Hein? son, quels sont nos points communs selon toi? Bah, la musique, on a les mêmes goûts vestimentaires, on aime bien les têtes de mort, on aime bien le métal, on est fan de métal, fan de goth, fan de. Voilà, tout truc en tout genre. Et au fur que je découvre. Je suis vraiment. En adéquation avec lui. C'est ça? Quelle est la chose. Oh, toute ta gueule. Quelle est la chose que tu aimes le plus chez moi? Donc chez toi? Ton esprit. Pourquoi es-tu tombée amoureuse de moi? Bonne question. Dur à répondre, c'est un ensemble. Ouais, voilà, c'est un ensemble de. Bah, au fur et à mesure qu'on découvre la personne, bah, hein, on est tombé amoureux parce que le cœur sait. Non, la tête sait. Et le. Non, la tête pense et le cœur sait. Je connaissais pas, mais si tu lis. Quel est ton meilleur souvenir avec moi? Moi, quand je t'ai dit qu'on partait à Paris, c'était bien. Meilleur souvenir, c'est quand tu m'as fait la surprise à Paris. Ouais, go Paris. J'ai même la réaction story sur YouTube, j'étais sur le cul. Comment te sens-tu quand nous ne sommes pas ensemble? Bah, pas bien, parce que bien. Me manque quelque chose, oui. Ouais. Pareil. Avec qui et comment puis-je te soutenir? Avec qui? Ouais. Bah avec toi. Et comment? En faisant des papouilles. Ah, ça commence. 3h30, je commence à avoir mal au ventre. J'ai en fait 2 jours. M'écouter. Et m'élever, pas me rabaisser. Pas comme ma mère. Est-ce que tu reçois assez de compliments de ma part? Bah oui, hein. Oh oui. Bah oui, tu m'en fais tout le temps. Et moi, je t'en fais. Oh ouais. Ça va. Trop.
très bien. Que signifie l'amour pour toi? Oh, c'est une vaste question, ça, quand même. Oula. Alors là. Eh, j'ai pas fait philosophie au lycée. Hein. J'ai pas été au lycée, mais. Mais c'est déjà le bas de ton CAP boulangerie. Mais. Oh là là, c'est trop complexe pour moi, ces questions. Dire je t'aime. Tout simplement, avec le cœur, pas avec le cul. Quoique, l'acte en faisant l'amour à quelqu'un, c'est dire je t'aime avec son corps. Je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Question trop compliquée pour mon petit cerveau. Y a-t-il des situations dans lesquelles tu te sens mal aimé? Non. Non. Et toi? Oui, avec ma famille. Ah ouais. En fait, c'est simple. Je cherchais, j'avais un manque d'amour avec moi, envers ma famille. Ça, je m'en suis rendu compte. Et je cherchais avec mes petits copains. Et ce qui n'est pas vraiment l'amour, en fait. Il me donnait juste, bah, en fait, je me sers de toi. Il me prenait plus juste pour un plan cul. Et moi, je crois que c'était l'amour. Après, pour être appris. Que signifie à la maison pour toi? Ça signifie quoi? À la maison. À la maison. Bah, être bien tranquille chez soi. À la maison, il y a tout, en fait. On a patienté à créer notre chez nous. Mon chéri a pris du temps pour créer sa maison et de l'aide. On est très reconnaissant avec les gens qui nous ont aidés, enfin qui les a aidés. Il y a eu un peu de tout, hein, de sa famille. Et je pense que c'est avec ces personnes-là que c'est grâce à eux qu'on les remercie en fait, tout simplement. Parce que sans eux, il n'y aura pas une maison. C'est ça. Donc la famille un peu. Quel contraste entre nous deux aimes-tu? Bon, on est pareil, on n'a pas de contraste. Pas vraiment. À part ta taille. Ouais, moi je suis 1m80, il mesure 1m110. Il y a quoi? 1m30 bien pas lui. À peu près, ouais. Non, très très de présenterie. Moi je suis très. Moi je suis plus sombre. Lui il met des couleurs dans sa maison. Il a mis un canapé en cuir. Moi j'aurais mis un fixac basique que là que j'ai. Ça aurait fait l'affaire. Ça dépendra. On verra bien avec le temps comment on modifie le son. Si tu pouvais décrire notre relation en cinq mots, que serait-il? Quel serait-il? Oula. Combien de mots? En un mot. Ah, en un mot. Oh, sincérité. Ouais, c'est ça. Penses-tu que nous passons trop de temps ensemble ou pas assez? Bah, pas assez, on passe jamais assez de temps ensemble. Ah ouais. Alors, on aura plus de temps, on va plus bien le week-end, on va plus la freine. On est des gens, donc on va pas avoir plus de temps, on va avoir des projets. Là, on va mettre tout notre temps surtout dans le. Bah, le déménagement, il est fait. Pas encore tout à fait, il est fait à 90%. Les 10% qui restent, c'est quoi? C'est nettoyer mon appartement et reprendre quelques bricoles. Ouais, quelques bricoles, il reste pas grand-chose. Non, ça va encore. Et après, le temps, bah, ça va être plus. Tout ça. Tout ça. On a de quoi faire, moi je veux dire. On doit ranger mon appartement, la maison. Enfin, il y a toujours des petits travaux à faire par-ci par-là. Rien n'est encore acquis. Donc il y aura du temps pour passer à ça, il y aura du temps pour nous. On a des projets. On doit aller faire la coupole. On doit faire. Si on a le temps, on ira peut-être un jour la période des trucs comme ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a des autres? Non, il n'y en a plus. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça va, c'est une vingtaine de minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker dans le respect et la bonne humeur. Tout commentaire agressif, etc. seront signalés et bloqués. Je vais faire dans le respect et la bonne humeur et les ventes positives.
On vous remercie d'avoir regardé et on fait de très gros bisous. À bientôt. À bientôt.